on se retrouve aujourd'hui pour parler de la coriandre, qui est une aromatique que l'on cultive à la sauge. Cette aromatique nécessite une bonne exposition au soleil, une exposition directe et quotidienne. Pour l'irrigation, il faut un arrosage assez régulier également, environ 4 fois par semaine. La coriandre nécessite un bon arrosage. Vous pouvez vérifier cela en soupesant le godet, également en enfonçant environ 2 phalanges de votre doigt dans le godet pour vérifier. Donc là, il y a pas mal de terreau sur mon doigt, donc l'arrosage a été bien fait. Là, en l'occurrence, on voit que c'est assez sec, le godet est assez léger, donc ça nécessiterait un arrosage un peu plus important et un peu plus régulier. Vous pouvez également rempoter la coriandre, surtout pour celle-ci. On peut le voir avec les cotylédons assez jaunes, ce qui n'est pas le cas ici. La coriandre n'est pas seulement une plante culinaire, elle a aussi des propriétés médicinales. C'est un antiseptique, un anti-inflammatoire. Elle est aussi très riche en vitamine C et vitamine K et facilite la bonne digestion. Merci à vous et bon jardinage à tous et à toutes.